Qui dit aimer dans le Seigneur? Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse encore une fois aujourd'hui, le dimanche. Que Dieu vous bénisse. Nous allons encore une fois partager une parole prophétique aujourd'hui pour la, par la grâce de Dieu. Christo, voilà. Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse encore une fois aujourd'hui. Nous venons partager avec vous, nos bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Royaume, le blé que le Seigneur a planté dans son champ, dans le champ qui est dans le monde. Nous croyons qu'aujourd'hui le Seigneur va nous faire du bien pour augmenter notre connaissance et pour marcher dans la ligne droite de la parole du Seigneur, dans la saine doctrine. C'est vraiment, encore une fois, pour moi, un privilège de venir partager avec vous cette parole de Deutéronome 28, à partir du verset 39. Mais avant toute chose, je vous en supplie, nous allons lire, prier plutôt ensemble le Seigneur, en fait que Dieu puisse nous accompagner pendant ces moments de ces partages. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, Seigneur, toi qui nous permets encore une fois aujourd'hui de venir partager cette nourriture avec ton peuple qui se trouve dans le monde entier. Par ces canaux, par ces moyens des réseaux sociaux, Seigneur notre Dieu, c'est pour que la parole aille jusque là où, Seigneur, nous ne pouvons pas aller à pied. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui convaincras ton peuple dans le cœur de ta parole sainte. Nous te bénissons Seigneur, notre Dieu de gloire. Papa, bénis ma sœur Francine, bénis tous ceux qui viendront après. Bénis-nous Seigneur encore une fois par la parole, parce que ta parole est une bénédiction sur la vie de tes enfants, sur la vie de tes fils et de tes filles, sur la vie de tous ceux que tu as fait sortir dans le monde et les amener Seigneur vers toi. Tous ceux que tu as fait sortir dans le ténèbre pour les amener vers toi. Ta lumière admirable, Seigneur. Nous te rendons grâce encore une fois ce soir, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Père éternel, nous venons contre toute puissance de l'ennemi qui va s'opposer aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il soit nul et sans effet, Seigneur, notre Dieu. Tout esprit impur, au nom de Jésus-Christ, qu'il soit nul et sans effet dans leur opération, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, notre Dieu. Nous te bénissons pour ta présence. Nous te bénissons, toi qui nous soutiens dans le combat. Nous te bénissons, toi qui combats pour nous, Seigneur. Et nous gardons silence, Seigneur, devant toi. Merci, Seigneur, parce que tu es la grande lumière qui illumine nos cœurs ténébreux, Seigneur, notre Dieu. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous bénissons ton peuple. Nous bénissons tous tes serviteurs, notre Dieu de gloire, Papa, à qui tu as donné la semence afin qu'il les communique à ton épouse qui est l'Église, Seigneur. Nous te rendons gloire, honneur, puissance, majesté. À toi, le seul sage et l'intelligent. Et l'homme intelligent, c'est toi, Seigneur. Merci encore une fois, Papa, au nom de Jésus-Christ. Conduis-nous par le Saint-Esprit. Prends la place dans nos cœurs. Règne dans la vie de ma sœur. Règne dans la vie de mon frère. Règne dans la vie de tes serviteurs et de tes servantes, Seigneur notre Dieu. Nous te bénissons, Père éternel, car tu es notre Seigneur. Au nom de Jésus, nous n'avons point notre Seigneur comme toi. Nous n'avons point notre Dieu comme toi. Tu es le seul unique à ton jard, Seigneur. Tu es pleinement d'amour éternel. Tu es le Dieu de paix, Seigneur notre Dieu. Merci à toi la gloire. Merci, Seigneur notre Père, à toi l'honneur. Merci, Seigneur notre Dieu, pour nous avoir donné
donné le Fils dans nos cœurs. Car le Fils, c'est la vie que tu nous as donnée. Oh Dieu, merci. Merci notre Dieu de gloire. Toi qui nous as arraché des ténèbres, tu nous as retiré de la fosse, Seigneur notre Dieu. Nous te disons merci Père éternel. Merci Jésus. Tu es merveilleux. Tu es digne dans nos vies, Seigneur. Qui sommes-nous, Seigneur, pour contester contre ta parole? Qui sommes-nous pour contester contre toi, ô éternel des armées? Qui sommes-nous contester celui qui nous a créé, nous façonné, Seigneur? Oh, béni sois-tu, Seigneur. Béni soit ton nom qui est grand et redoutable. Béni soit ton nom, Seigneur, qui est ta parole. Béni soit ton nom, Seigneur, notre Dieu, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Tu es merveilleux dans nos vies. Tu es merveilleux dans l'Église. Nous te rendons tout honneur et gloire. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Que notre Dieu vous bénisse. Que sa présence soit vraie dans notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que dans cette vie dans laquelle nous avons obtenu par la grâce de Dieu, ce n'est pas une vie. Dieu ne nous a pas donné une vie pour l'amener dans les désordres. Dieu ne nous a pas donné une vie pour que nous puissions maintenant se vaguer et se faire n'importe quoi, s'autoriser. Je parlerai comme notre bien-aimé Paul avait parlé en disant ceci. Ce n'est pas parce que nous sommes en Christ que maintenant nous sommes en liberté sous prétexte de le prendre dans la chair. Non, en Christ nous sommes libres, oui. Mais cette liberté ne doit pas être un prétexte pour vivre dans la chair. Il est strictement interdit de faire les prétextes sur la liberté en Christ et de vivre selon la chair. C'est ça notre doctrine que nous prêchons comme les apôtres. Nous continuerons toujours à conseiller le peuple de Dieu. Oui, nous sommes libres. Nous sommes libres en Jésus-Christ. Toi, tu crois qu'être libre en Jésus, c'est faire tout ce que tu veux. Non, être libre en Jésus-Christ, mais il y a la discipline qui doit se suivre dedans. Il y a l'ordre de la vie que nous devons mener dans la ligne droite de la sainte doctrine. Si vous ne vivez pas ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis, retournez dans votre vie du monde, faites tout ce que vous voulez, parce que vous n'aimez pas le Seigneur. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit que celui qui n'aime pas le Seigneur soit anathème. Anathème veut dire la malédiction, qu'il soit maudit au centuple. Est-ce que vous comprenez ça? Donc nous avons embrassé ces choses. Nous avons embrassé la bouche de Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez ça? Lorsque nous avons embrassé la bouche du Seigneur, donc nous avons accepté la parole du Seigneur. Nous l'avons accepté avec amour. Voilà pourquoi nous aimons le Seigneur, parce que nous l'avons embrassé. Et si tu n'as pas encore embrassé le Seigneur, laisse ces choses. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de frères, beaucoup de sœurs qui sont des gens qui se flattent, qui viennent se camoufler au milieu de nous, mais ils n'ont jamais embrassé le Seigneur. Et cette parole que l'apôtre Paul a dit, ça doit se réaliser. Parce que beaucoup sont anathèmes. Parce qu'ils n'aiment pas le Seigneur. Aimer le Seigneur, c'est aimer sa parole. Voilà pourquoi le Seigneur a dit que c'est lui qui m'aime, il gardera mes commandements. Le commandement du Seigneur, c'est sa parole. Est-ce que vous comprenez ces choses? Nous devons aimer le Seigneur. C'est lui qui aime le Seigneur, donc il a embrassé le Seigneur. Acclame le Seigneur, notre Dieu merveilleux. Ainsi dit la parole. C'est ça la parole du Seigneur bien-aimé. Nous devons s'attacher à ces choses. Nous devons l'embrasser tous les jours, la parole. Embrasser la parole. C'est comme un homme avec une femme. Ils s'embrassent tous les jours. Tous les jours, ils ont de l'amour à se communiquer. C'est cet amour-là que le Seigneur aussi nous fait voir comme l'Église est Christ. Christ embrasse tous les jours l'Église. Christ nous embrasse tous les jours. L'embrassement de Christ, il nous donnera toujours sa parole. C'est sa parole qu'il nous donne. Et nous devons accepter la parole du Seigneur. Que la parole soit dure, que la parole soit n'importe comme vous le voulez le prendre. Mais cette parole doit être vie à nos cœurs. Le Seigneur Jésus-Christ ne nous donne pas la parole que nous ne serons pas capables de pratiquer jamais de la vie. Le Seigneur nous donne toujours des paroles qui ne sont pas une jougue comme dans la loi, mais qui sont jougues légers. Il dit « Recevez mes instructions ». Ils sont légers. Les instructions du Seigneur ne sont pas dures. Ils sont légers. Voilà pourquoi le Seigneur nous a donné la capacité au moyen du Saint-Esprit pour que nous puissions obéir à la parole, pour que nous puissions marcher dans la fidélité, pour que nous puissions marcher dans la crainte de Dieu, pour que nous puissions marcher dans la voie droite du Seigneur. Si tu as déjà quitté la route, le chemin, frère, ma sœur,
Je suis en train de t'exhorter avant de commencer. Reviens dans le chemin parce qu'il est temps que nous retournons vers le ciel. Le chemin aujourd'hui est ouvert. Le chemin est ouvert aujourd'hui, ma sœur, mon frère. Le Seigneur a ouvert le chemin. Et le chemin, il a dit, je suis le chemin. Le chemin que nous devons suivre, c'est la saine doctrine. Le chemin que nous devons suivre, c'est l'enseignement de Jésus. Le chemin que nous devons suivre, c'est la parole de Dieu. C'est ce chemin-là dans lequel nous devons suivre et vivre. Ce chemin-là est déjà ouvert. Mais lorsque l'homme avait péché, le chemin était fermé. Pourquoi ce chemin-là était fermé? Parce qu'il y avait encore le péché. Tout le temps de la loi, des prophètes et des psaumes, je t'ai dit que le chemin était encore fermé. Mais il a fallu qu'un seul homme puisse venir ouvrir le chemin. Et quand cet homme est venu, c'était lui-même le chemin. Alléluia. C'était lui qui était le chemin. Voilà pourquoi il a dit, je suis le chemin. Le chemin n'est pas loin. Le chemin, c'est la parole du Seigneur. Le chemin, c'est la parole de Dieu. C'est ça le chemin sur lequel nous devons marcher, frères et sœurs. Si tu as déjà dérouté, retourne dans le chemin. Si tu commences à prendre le chemin de Rome, retourne dans le chemin de Jésus-Christ. Oui, il y a beaucoup de chemins. Le chemin de Rome, le chemin de l'Afrique, le chemin de l'Amérique. Ce sont des faux évangiles qu'on vous prêche. L'évangile de Rome, l'évangile de des Africains, l'évangile des Américains, ça ce n'est pas le chemin. Si on te prêche l'évangile de la prospérité, ce n'est pas le chemin. Si on te prêche l'évangile d'adorer les idoles, ce n'est pas le chemin. Ça c'est les catholiques. Si on te prêche l'évangile, la parole, de prier les dieux des ancêtres, ce n'est pas le chemin. Ça c'est les Africains. Tous ces chemins-là ne sont pas le véritable chemin. Parce que le véritable chemin, c'est tout un homme. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le chemin sur lequel nous devons marcher. Et c'est lui qui marche dans ce chemin-là. On le verra que lui-là, elle est là. Elle marche sur le chemin. Le chemin véritable. Est-ce que vous me comprenez ces choses, frère? C'est très important de saisir ces choses. Lorsque vous prêtez d'autres chemins qui ne sont pas le chemin du Seigneur, vous risquez votre vie. Ne suivez pas les langages des gens, ce qu'ils disent. Non, pas du tout. Suivez ce que le Seigneur dit. Suivez ce que la parole dit. Si vous priez le Dieu des ancêtres, tu n'es pas dans le chemin. Si tu es dans les églises où on te prêche l'évangile de la prospérité, devenir meilleur sur la terre, tu n'es pas dans le chemin. Si on te prêche l'évangile où tu dois adorer les statues et tout consort, ce n'est pas ça le chemin. Tu es dans la perdition. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 7, on nous a présenté deux chemins. Le chemin large et le chemin resserré. Le chemin là qui est resserré, c'est ça Jésus-Christ. Le chemin resserré, c'est ça le Seigneur Jésus. C'est ça sa sainte doctrine. La sainte doctrine, la parole de Dieu est resserrée, frère. Pour ceux qui marchent dans le désordre, ils vont dire, non, je ne peux pas rentrer là-bas. C'est trop petit. Je vais aller voir d'autres chemins. Les marabouts, c'est notre chemin. Si tu fais cela, mon frère, à cause des traditions des hommes, les traditions des hommes, c'est notre chemin. Ce sont des chemins que nous avons sur la terre. Mais Jésus, pourquoi Jésus va venir proclamer que moi je suis le chemin? Parce qu'il y avait d'autres chemins que les hommes prêtaient. Mais je suis venu t'annoncer aujourd'hui, mon frère, ma soeur, il n'y a qu'un seul chemin qui amène au Père. Et nul ne peut aller au Père. Je te dis que le chemin des traditions des hommes ne peut pas amener au Père. Je te dis que le chemin qui amène à la prospérité ne peut pas amener au Père. Prospérité matérielle. Je t'ai dit que le chemin qui vous amène à aller adorer d'autres choses, les ancêtres, tout console, les statues, ce n'est pas le chemin qui amène au Père. Ce sont d'autres chemins que l'homme a tracé lui-même. Et par la malice de l'ennemi, la ruse du diable, qui aide l'homme à créer des choses qui se peuvent sembler, mais ce n'est pas le véritable chemin, mon frère, ma soeur. Retournons au chemin, s'il vous plaît. Retournons au véritable chemin. Ce chemin-là est très important qu'on vous le prêche. N'endurcissez pas vos oreilles, s'il vous plaît. Le chemin est déjà ouvert.
Le chemin est là. Et ce seul chemin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est la parole pure, véritable. C'est la vérité, frères et sœurs, c'est ce que je vous dis. C'est déplorable aujourd'hui de voir les gens prêter d'autres chemins. Ils ont prêté d'autres chemins. Les gens se perdent en désordre. Ils ne voient plus le chemin. Ils ne voient plus le chemin. Ne soyons pas comme les 10 vierges. Ils sont sortis tous dans le même chemin. La Bible dit qu'ils commencèrent à marcher. Ils ont tous marché. Ils ont tous marché sur le même chemin. Mais arrivant en route, leurs lampes commencèrent à s'éteindre. C'est à ce moment-là que les folles ont demandé aux sages, « Donnez-nous de votre huile. » Les sages qui sont sages, ils ont dit, « Mais nous n'avons pas d'autre huile à vous donner. Allez demander à ceux qui les vendent. » Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prêté un autre chemin pour aller chercher quoi? De l'huile. Quand elles sont revenues pour retrouver le chemin, ils ont trouvé que sur le chemin, la porte est déjà fermée. C'était l'enlèvement. Bien-aimés, tout ce qui se passe aujourd'hui sur la terre n'est pas hasard. Pour nous, les enfants de Dieu, c'est notre signe que le Seigneur est à la porte. Tout ce que vous attendez là, des vaccins obligatoires, des masques obligatoires et tout qu'on sort, pour nous, ce sont des signes. Parce qu'il faut que ces choses arrivent pour que ça puisse nous interpeller, nous, les enfants de Dieu, pour que nous puissions partir. Pour que nous commencions à marcher et rentrer dans la salle des noces, dans le royaume du Seigneur, aller rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ, l'époux, frère. Je suis en train de vous rappeler ces choses, mon ami. Le ciel est très important que la terre. Ce que vous voyez là aujourd'hui, vous ne le verrez plus demain. Vous ne verrez plus ça demain, frère, ma soeur. Changeons de vie rapidement. Soyons sérieux dans les choses de Dieu. Arrêtez de faire des blagues. Ce sont des choses vraies. Ne prenons pas ça comme la vie en Christ, comme chose de blague. Ce n'est pas une blague. Tu peux prendre des blagues aujourd'hui, mais demain, ça ne sera plus une blague. Quand tu seras de l'autre côté du monde, ça ne sera plus une blague. Quand nous serons dans le royaume, ça ne sera plus des blagues. Quand tu seras en enfer, ça ne sera plus des blagues. Voilà pourquoi Jésus a dit dans l'Apocalypse, il dit, l'épouse s'est préparée. Elle s'est préparée. Elle était prête. Mais aujourd'hui, on est en train de blaguer, même dans les églises avec des ministres. On est en train de blaguer avec la vie en Christ. On ne prend pas ça au sérieux. Ce ne sont pas des blagues, frère. Ma soeur, je t'exhorte, s'il te plaît. Quand tu écoutes ces messages, sors là où tu es. Reconnais là où tu es. Dans quelle vie tu mènes maintenant? Tu es devenu froide. Or, il est écrit que celui qui est ni chaud ni froid doit faire comment, frère? Ta vie spirituelle a changé depuis un certain moment. Retournons dans le chemin, frère. Retournons dans le chemin. Dans le chemin. Le chemin est encore ouvert. Mais ce même chemin-là, un jour, on va le perdre. On va le perdre ce jour-là. C'est très important ce que je vous dis là. Ce n'est pas de la blague. Il est temps de mettre nos affaires au sérieux. Que personne ne vienne t'arracher la foi que tu as en Christ Jésus. Que personne ne vienne changer ta conception sur la scène. Où vous allez aujourd'hui, les gens changent de doctrine à tout moment. Il écoute ici, il écoute là-bas, il change d'autre, sans vérifier. C'est changer le chemin. Vous changez trop le chemin. C'est ça votre problème. Que personne, là où la Bible a dit A, c'est A. Là où la Bible a dit B, c'est B. Si quelqu'un vient prêcher le contraire de l'évangile, comme l'apôtre Paul avait dit, si quelqu'un vient vous prêcher un autre évangile, que nous les apôtres, ils n'ont pas prêché, qu'il soit anathème. Celui qui vient prêcher un autre évangile, c'est-à-dire il vient vous présenter un autre chemin. C'est un autre chemin qui va vous amener en enfer, à la perdition. Donc il ne faut pas accepter cet évangile-là. Ce que les apôtres ont prêché, c'est ça que nous devons prêcher. Ce que Jésus a prêché, c'est ça que nous devons prêcher. Ne prêtez pas un autre chemin, frère. Ma soeur, retournons dans le droit chemin. Et le chemin là, c'est le Seigneur. C'est justement lui qui amène vers le Père. Vous savez,
Nous sommes en train d'attendre maintenant aujourd'hui le royaume dans lequel nous serons. Alléluia, j'aime ça. Dans le royaume dans lequel nous serons. Là où on vivra éternellement. Frère, imagine un peu la beauté du royaume. Regarde les descriptions du royaume, la nouvelle Jérusalem. Regarde un peu la description de cette terre-là. Regarde comment Dieu écrit dans Apocalypse verset, chapitre 22. Comment il décrit les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Regarde, va lire ça. Regarde comment le Seigneur a décrit ça. Dis-moi quel pays ou quel royaume sur la terre est rempli d'or. En plus de l'or transparent, dis-moi quel est ce royaume sur la terre ou bien une ville qui est remplie d'or. Les gens marchent sur l'or. Dis-moi ce pays-là, c'est quel pays? Si toi tu en connais, corrige-nous. Mais tu es là, tu vagues dans des saintes doctrines à gauche et à droite. Aujourd'hui, tu crois que la femme peut prier, doit se voiler avant de prier. Quand tu attaques quelqu'un qui vient avec ses explications bizarres, tu changes de conception. Tu es comme une paille qui est emportée par les vents. Et le Seigneur, les gens comme ça, ils voient qu'ils ne sont pas assez fermes dans la foi. Parce que Hébreux 11 a dit, la foi c'est quoi? C'est une ferme assurance. Quand l'Écriture a dit, que la femme doit se soumettre à son mari. Même si quelqu'un vient changer la conception. Mais moi, je garde la foi ferme sur la parole. Même quand on dit que l'homme doit aimer sa femme. Nous gardons le même chemin. C'est le chemin que le Seigneur a tracé. Si tu ne fais pas... Même si quelqu'un vient amener notre conception. Même si Satan te trompe dans la tête. Satan te trompe dans la tête là. Tu commences à taper dans des coups. Ce que tu fais là, ça veut dire que tu as prêté un autre chemin. Satan est rusé dans la pensée des gens. Il trompe les hommes. Moi, quelqu'un qui est un frère en Christ, il prend des coups et il commence à donner sur sa femme. Il donne. T'as pas honte? Tu as prêté un autre chemin. Ça, c'est le chemin de la haine. De meurtre. Quand tu prends ta femme à la gorge, là, tu veux le tuer. Oh non, c'est elle qui m'a provoqué. C'est pas une question de provocation. C'est une question parce que toi, tu n'es plus dans le chemin. Et c'est comme ça que les gens sont déroutés. Vous devriez être les gens qui passent plus de temps dans la prière. Toi et ta femme et tes enfants. Vous devriez être dans la prière. Le coup là vient d'où? Ça vient d'où ce coup-là? Remarque très bien, tu verras que c'est parce qu'il y a un temps où tu as été distrait. C'est la distraction dans la famille. Tu commences à prêter un autre chemin. Et c'est comme ça que les gens vivent dans leur famille, comme ça. Vous voyez? On doit faire très attention. Très attention. Je vous préviens, très attention. N'écoutez pas la voix du diable dans vos pensées. N'écoutez pas la voix des hommes inspirés par le diable. N'écoutez pas la voix de tous les gouvernements là, ne les écoutez pas. Dieu les a permis maintenant de contredire la Bible. Comprenez-moi ce que je dis. Dieu a permis tous ces gouvernements là qui commencent à contredire Dieu. Dieu les a permis ça. Voilà pourquoi ils vont mettre des lois de l'homosexualité, de la pédophilie. Ils vont mettre toutes sortes de lois, des zoophilies. Ils vont permettre ça. Or, auparavant, les gouvernements de la terre, tous obéissaient à ça. Il y avait des lois sévères au gouvernement. Mais pourquoi dans notre génération, les choses ont changé? Dieu doit les permettre. Il doit les dire, oui, faites ça, parce que ça doit s'accomplir. Parce que si le péché ne croître pas, ne grandit pas sur la terre, mais Dieu ne viendra pas faire sortir l'église. Dieu ne viendra pas me faire sortir sur la terre, ni toi, ni quelqu'un d'autre. Non, il faut que le péché croître sur la terre. Il faut que Dieu libère les démons de l'homosexualité. Il faut que Dieu libère les démons des zoophilies, des meurtres, des racismes. Il faut que tous ces esprits soient maintenant libérés dans leur cachon. Afin que ces esprits inspirent des rois de la terre, inspirent
empire les hommes dans la mauvaise voie, c'est ainsi que le péché va croître. Alors les anges, les deux anges viendront vers Lot. Ils vont rentrer dans Sodome et Gomorre qui représentent le monde. Alors ils vont venir voir si le péché est arrivé à ça, à son comble. C'est alors ils vont dire à Lot, Lot sortez, parce que maintenant j'ai vu. Est-ce que vous comprenez ça? C'est alors que Dieu dira maintenant au Seigneur, maintenant, fais sortir l'église. Parce que le péché maintenant a cru. Donc l'église, malgré toutes ces choses vont arriver, mais l'église restera toujours juste. Parce que Jude a présenté Lot comme l'homme juste. C'est ça l'église. Nous devons garder le chemin. Lot est resté dans le chemin. Malgré que tout le monde dans Sodome et Gomorre était corrompu, inspiré par des démons, mais Lot est resté juste devant Dieu. Il n'a pas changé le chemin. Il n'a pas commencé à dire, vous voyez, les prédicateurs vont nous créer des problèmes. Vous voyez, un prédicateur aujourd'hui, il était contre l'homosexualité, et aujourd'hui, il commence à autoriser l'homosexualité. C'est grave. Oui, vous savez, dans chaque génération, Dieu change, hein? Dieu change. Dieu change. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu ne change pas. Si Dieu a condamné l'homosexualité, c'est que toi aussi, prédicateur, tu dois condamner ça. Même si le monde accepte, nous condamnons ça. Et nous serons en cachot à cause de ces choses-là. J'accepterai ça, moi. Qu'on me mette en cachot à cause de ça. Je défendrai toujours la vérité. Si la Bible dit que l'homme est le chef de la femme, je ne peux pas dire le contraire à cause du gouvernement. Les prédicateurs nous créent des problèmes. Oh non, vous voyez ici, nous sommes en 2020, 21e siècle. Vous pensez devant Dieu, il y a 2020. Hein? Devant Dieu, il y a 2020. C'est chez nous les hommes qu'il y a 2020. Chez Dieu, il n'y a pas 2020. Parce que chez Dieu, il y a une année de grâce. Mais nous, on a beaucoup des années. Année 2020, année 2021. Dieu n'est pas ça. Dieu a seulement une année. Donc nous avons la conception de Dieu, la pensée de Dieu. Et nous gardons ça jusqu'à la mort. Acclame le Seigneur. Ça, c'était juste une petite exhortation pour ramener vos cœurs à la parole. Parce que beaucoup sont en train de blaguer. Sont en train de prendre la vie en Christ à la légère. Pas de prières dans la maison. Pas de vie de consécration. Pas de vie de méditation de la parole. Et vous voulez comprendre les Écritures comment maintenant? Avec la tête? Mais c'est en méditant la parole. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la méditation? Regarde ce que la Bible, Apocalypse, quelque part là-bas, on nous dit ça. Il dit, heureux ceux qui gardent les paroles de ces prophéties. Qui méditent et qui gardent. Et toi, tu veux comprendre les prophéties comment? Avec la tête. Voilà pourquoi maintenant, il y a des gens qui dorment, ils se réveillent. J'ai vu l'enfer, j'ai vu l'enfer. Tu as vu l'enfer, toi? On va rentrer dans notre message là. C'était juste pour réveiller les esprits qui dorment. Il y a beaucoup de sommeils, c'est là, les enfants de Dieu. Nous devons nous réveiller dans la prière, veiller dans la prière. Le Seigneur dit veillez et priez. Il n'a pas dit d'aller faire autre chose. Deutéronome 28, verset 39. Nous rentrons dans notre sujet car nous voulons expliquer cette prophétie très importante. Tu planteras des vignes et tu les cultiveras. Et tu ne boiras pas de vin. Et tu ne feras pas de récolte. Car le ver la mangeront. Béni soit le Seigneur pour la grâce qu'il nous a donnée et son explication qu'il va nous verser aujourd'hui. L'Écriture dit ceci. Tu planteras des vignes. Tu les cultiveras. Et tu ne boiras pas de vin. Est-ce que vous voyez ça? Tu ne boiras pas de vin. Et il continue en disant, tu ne feras pas de récolte.
Pourquoi? Parce que, car, la raison, parce que le ver vont manger ça. Comme la Bible s'explique elle-même. Il est écrit ceci dans Matthieu 11, verset 13, que la loi et les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Donc ceci, ce sont des lois que Dieu a données à Moïse. Et Moïse les a écrites. Quand vous lisez Deutéronome 28, en commençant par le chapitre 27 et le chapitre 28, surtout le 28, il y a une partie qu'on appelle la partie des bénédictions et il y a une autre partie qu'on appelle la partie des malédictions. Et dans la partie des malédictions, c'est là où Dieu a dit à qui? À Israël. Il parle à Israël, il dit Israël. Tu planteras des vignes, mais tu ne boiras pas le vin et tu ne récolteras pas car le ver, ce sont des reptiles, des reptiles qui marchent avec leur ventre. Ce sont des petits reptiles qu'on trouve sur la terre. Hein? Ils rampent avec leur ventre. Le ver la mangera. La mangeront plutôt. Donc Israël devait planter une vigne. Mais malheureusement, que malgré qu'ils ont planté la vigne, mais ils n'ont pas bénéficié de boire le vin de la vigne. Ça, c'est la malédiction. Ce n'est pas une bénédiction. C'était dans le nombre des malédictions. Donc on l'appelle, cette écriture-là, c'est la malédiction. Mais malédiction de qui? Frère, il faut faire attention avec des faux prophètes. Il faut faire attention avec qui? Des faux prophètes. Parce qu'il y a beaucoup de paroles qui sont dans la Bible, surtout Deutéronome 28, une partie des bénédictions et une partie des malédictions. Alors les faux prophètes aiment utiliser ces versets pour venir tromper le peuple de Dieu en fait de les dépouiller de leurs moyens financiers. Leur argent, monnaie. Si tu ne fais pas ceci, hein, Dieu va te maudire. Il faut donner. Vous voyez? Ce genre de prêcher la parole, nous ne prêchons pas comme ça. Nous savons que Jésus-Christ a porté nos malédictions. Je n'ai pas encore commencé mon explication. Je suis d'abord en train de nettoyer les enseignements des faux prophètes. Il n'y a aucune malédiction qui peut être tombée sur un enfant de Dieu aujourd'hui qui a le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, demande le Saint-Esprit à Dieu. La Bible dit que c'est lui qui n'a pas l'Esprit de Dieu qui le demande à Dieu. Si tu as le Saint-Esprit, pas un autre esprit, le Saint-Esprit en toi, tu ne peux pas être dans la malédiction. Parce qu'il est écrit dans Galates chapitre 3, que le Seigneur a porté la malédiction sur lui. Donc nous sommes libérés. Je vais encore répéter ça, même pour la dîme. Mes frères prédicateurs de l'évangile éternel, arrêtez ça. Même pour la dîme de Malachie chapitre 3, cette malédiction-là, c'est une prophétie. Ce n'est pas doctrinal. Un enfant de Dieu ne peut pas être maudit parce qu'il n'a pas donné la dîme. C'est faux. Je suis contre cette prédication-là. Parce que si nous mettons la malédiction sur le peuple de Dieu parce qu'il n'a pas donné l'argent, selon les pasteurs, entre guillemets, ça veut dire que Galates chapitre 3 n'a plus d'effet. Ça n'a plus d'effet. Ça n'a plus d'effet. Est-ce que vous comprenez ça? Or, il est écrit que le Seigneur a porté notre malédiction. Quelle malédiction? La malédiction de la loi. Ce qui fait de sorte que un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit, il est béni. Il n'est pas maudit, il est béni. Voilà pourquoi Éphésiens chapitre 1, verset 3, il est écrit que nous sommes bénis. Est-ce que vous voyez ça? De toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Est-ce que vous voyez ça? Donc tu ne peux plus être maudit à cause de la dîme.
Maintenant, je poserai aux frères les questions. Je suis en train de déballer d'avoir des faux enseignements sur la malédiction. Je poserai la question aux frères. Que penses-tu maintenant des pauvres qui n'ont pas les moyens? Ils vont faire comment maintenant pour donner à Dieu en fait de recevoir la bénédiction? Que penses-tu maintenant des pauvres au milieu de nous qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas de travail? Ils sont aussi maudits parce qu'ils n'ont pas donné de l'argent. Parce que si tu me dis que parce qu'ils sont pauvres, Dieu va les pardonner. Et l'autre là, frère qui est riche, qui a un peu de moyens, donc c'est lui maintenant qui sera maudit parce qu'il n'a pas donné. Non! Non! La Bible dit que Dieu n'est pas un Dieu de favoritisme. Dieu n'est pas un Dieu qui va favoriser seulement un pauvre et un riche et commence à le faire n'importe quoi. Non, Dieu n'est pas comme ça. Parlez selon les Écritures, selon la pensée de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? C'est très important de comprendre ces choses. Très important. Donc, acclame le Seigneur parce que tu es une fille, un fils de Dieu qui est béni. Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est ça. Je suis une fille bénie. Je suis un fils béni par le Seigneur. Dieu ne peut pas nous bénir à gauche et nous maudire à droite. Ça ne marchera pas ça comme ça avec Dieu. C'est une prophétie. Malachi, toi, c'est une prophétie. Est-ce que vous comprenez ça? Donc là, maintenant, Dieu parle à Israël. Il dit à Israël que... tu vas planter la vigne, mais tu ne boiras pas le vin. Tu ne feras pas de récolte, parce que le ver la mangeront. Alors nous voulons expliquer quelle est la vigne que Israël a plantée. Alléluia. C'est une parole prophétique, mais c'est une parole de la malédiction, mais qui était prophétiquement... mais c'est une bénédiction pour nous. Alléluia, grâce au Seigneur. Est-ce que vous voyez ça? Une parole de malédiction pour les uns, mais c'est une bénédiction pour nous. C'est ça notre Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Nous allons d'abord chercher la vigne qui a été plantée. Nous allons voir ça. Allons-y dans la Bible. Prenons d'abord l'écriture de Marc chapitre 8, verset 24. Prenons ça, Marc. Marc 8. Je prends ça, ma Bible est là. Je prends. Si tu, dans mes habitudes, je conseille toujours les gens quand vous me suivez. Prends ta Bible et tes écouteurs dans ta chambre, tu es calmement là-bas. Là, il n'y a pas des enfants, des bruits. Et là, tu ouvres avec moi la Bible. Ne dis pas que frère, on a inventé. Hein. Ne dis pas ça. Tu vas les lire avec moi. Marc 8, 24. Allons-y, rapidement. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres. Vous avez vu ça? Jésus guérit un homme. Il lui dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois des hommes, mais j'en vois comme des arbres. C'est-à-dire que dans l'évangile, un homme, c'est un arbre. Un homme, c'est un arbre. Parce que la vigne, c'est un arbre. Est-ce que vous me saisissez? La vigne, c'est un arbre qu'on doit planter. Je vous amène d'abord à découvrir l'arbre, que ça signifie aussi les hommes. Je prends maintenant Ésaïe 53, verset 2. Là, maintenant, on va maintenant voir l'arbre. Hein? Ésaïe, allons-y rapidement. Ésaïe, chapitre 53. Verset 2. Vas-y avec moi, tout doucement, point par point, verset par verset. Je cherche la vigne, l'arbre, la plante de la vigne, l'arbre de la vigne. Nous avons vu qu'un homme peut aussi signifier un arbre. On peut le voir aussi comme un arbre planté. Maintenant, je cherche l'arbre là, c'est quel arbre? Je m'en vais dans Ésaïe 53, je prends le verset 2. Il est écrit ceci. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Ah. Vous voyez ça? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Or, Ésaïe 53 parlait de qui? Ça parlait du Seigneur, nous le savons, moi et toi.
Ça parlait de la prophétie de Jésus, comment il devait venir souffrir. Est-ce que vous comprenez ça? Mais dans Ésaïe 53, verset 2, on appelle Jésus-Christ comme une faible plantée. Donc, le Seigneur Jésus, c'est une plante. Est-ce que vous avez compris ça? Jésus, c'est une plante. Donc, Jésus, c'est la plante de la vigne. C'est un arbre. Jésus, c'est un arbre. Jésus, c'est un arbre. Donc, la vigne, là, de Deutéronome 28, verset 39, c'est le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur. C'est merveilleux. C'est comme ça qu'on cherche Jésus dans les Écritures. Parce qu'il a dit que vous sondez les Écritures, croyant avoir la vie en elle, c'est elle qui rend des témoignages de moi. Alléluia. Donc, Deutéronome 28, verset 39, doit rendre témoignage de Jésus. Acclame le Seigneur. J'aime ces choses, frère. Je vois Jésus l'arbre. Je vois Jésus la vigne. Mes yeux le voient. Alléluia. Est-ce que vous prenez ça? Voilà pourquoi on nous parle de l'arbre de la vie dans les jardins. C'était Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez ça? L'arbre de la vie dans les jardins, c'était le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur. Voilà pourquoi Jésus aussi est représenté comme un arbre qui devrait être planté. J'aime ces choses. Il devrait être planté par les enfants d'Israël. Mais les enfants d'Israël ne boiront pas le vin de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous voyez ça? Donc, Jésus devrait être planté par les enfants d'Israël. Donc, frère, lorsque nous prêchons l'œuvre de la croix, c'est la plantation de Jésus. C'est ça que Dieu a dit. Tu planteras des vignes. Donc, Jésus, on devrait le planter. Quand est-ce qu'on a planté Jésus? C'est le jour où on l'a pointé sur la croix. C'était la plantation de la vigne. Est-ce que vous voyez ça? Jésus, on l'a planté. C'est la vigne plantée sur la croix. Donc, parler de l'œuvre de la croix, c'est parler aussi de la plantation de la vigne. C'est ça la prophétie. Et ces choses se sont réalisées ces jours-là à la croix. Voici la vigne plantée par les enfants d'Israël. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, Jésus devrait mourir. C'est la plante séchée. Mais il devait ressusciter. C'est la plante qui sort. Est-ce que vous voyez? C'est la plante qui est dans la résurrection, qui reprend maintenant la vie après 3 jours. Je vous préviens déjà d'avance que la vigne comme Jésus, il s'est ressuscité au 3e jour. Après 3e jour, la vigne était déjà grande. Est-ce que vous voyez ça? L'arbre de la vigne est sorti. Maintenant, la Bible dit que vous ne boirez pas le vin. Ce qui veut dire que quand la vigne a poussé, cette vigne-là a donné des raisins, des fruits. Parce qu'on ne peut pas voir le vin sans avoir voir les fruits. Il faut que d'abord le fruit vienne. Et quand il y aura des fruits, on va prendre les fruits, on va les presser. Et ça va donner quoi? Ça va donner du vin. Est-ce que vous voyez ça? Et c'est maintenant, après cela, que maintenant les gens vont boire le vin là. Maintenant, pourquoi Dieu le dit que vous ne boirez pas le vin? Alors, il faut expliquer tous les détails. Est-ce que vous voyez ça? On va expliquer calmement. Calme-toi, respire. Tu es calme à la maison. Tes écouteurs. Et la Bible à la main. Je vais te montrer tout par les Écritures. Et tu comprendras la prophétie de Deutéronome 28, verset 39. C'est très facile. Est-ce que vous voyez ça? Donc l'arbre, la vigne a été planté, c'est le Seigneur Jésus. Il est ressuscité, l'arbre pousse. C'est la résurrection de Jésus-Christ. Il pousse, il est sorti avec les fruits. Jésus avait déjà des fruits quand il est sorti. Maintenant, on doit prendre la vigne et le presser. Après, maintenant, boire le vin. Maintenant, il faut que nous expliquions ces choses.
que signifie le vin là qui est sorti sur Jésus? Parce que c'est lui la vigne qui a poussé. C'est lui la vigne qui a poussé. Expliquons un peu le vin. Ça va un peu nous amener quelque chose de très important. Quand Jésus-Christ était à la table avec les disciples, il a pris du pain. Ceci est mon corps. C'est-à-dire la vigne. Et après cela, lui dit qu'après cela, il prend aussi la coupe. Est-ce que vous voyez ça? Et cette coupe, c'était le sang. Je vais d'abord aller avec vous, définissons d'abord le vin. Prenons Deutéronome 32, verset 14. Je prends Deutéronome 32, verset 14. Il dit quoi là-bas? Deutéronome 32, verset 14. 32, verset 14. Regardez ça. La crème des vaches et le lait des brebis avec la graisse des agneaux, des béliers, des bassins et des boucs avec la fleur du froment. Je prends la phrase qui suit en bas. Hey, tu as bu le sang du raisin, virgule, le vin. Vous voyez ça? Tu as bu le sang du raisin, virgule, le vin. J'aime ça, la précision. Donc, le vin, en réalité, c'est le sang du raisin. Est-ce que vous comprenez ça? Jésus, c'est la plante, c'est la vigne qu'on avait plantée sur la croix. Maintenant, cette vigne devait faire sortir le sang, le vin, qu'on appelle ici le sang. Est-ce que vous voyez ça? On l'appelle ici le sang. Donc, c'est ce sang-là qui est sorti en Jésus. C'est ça qu'on appelle le vin. Est-ce que vous voyez ça? Mais remarquez maintenant comment Jésus a interprété le sang. J'explique tout doucement. J'explique le vin. On m'explique dans Deutéronome 32, verset 14, que tu as bu le sang du raisin, virgule, le vin. Donc, parler du vin, c'est parler du sang du raisin. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, le Seigneur va expliquer le sang. J'explique en détail. On ne raisonne pas. Je prends l'écriture. Je vais maintenant expliquer le sang. Pour comprendre la prophétie. Je prends Matthieu 26. Allons-y tout doucement. Matthieu 26, il dit ceci. Matthieu 26, verset 27 à 28. 27 à 28. Il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance. » Dans Luc chapitre 22, verset 20, on a dit, « Le sang de la Nouvelle Alliance. » Est-ce que vous comprenez ça? C'est le sang de la Nouvelle Alliance. Or, ce sang-là, on l'appelle le vin. C'est le sang du raisin, virgule, le vin. Donc, on définit le vin comme le sang du raisin. C'est du sang. Est-ce que vous voyez cela? Mais Jésus explique son sang. Il dit que c'est la Nouvelle Alliance. Acclame le Seigneur. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, pourquoi Dieu dit dans Deutéronome 28, verset 39, il dit à Israël, tu planteras des vignes et tu ne boiras pas le vin. Ça signifie quoi? Il a planté la vigne, mais il n'a pas bu le vin. Mais qui a bu le vin alors? Ce sont des disciples du Seigneur Jésus. C'est eux qui ont bénéficié le vin, selon Matthieu. Mais chez Israël, ils ne peuvent pas boire le vin. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'Israël ne devait pas participer à la Nouvelle Alliance. Acclame le Seigneur. Est-ce que vous voyez la même chose que moi? Donc, quand Dieu empêche Israël de boire le vin, c'est pour dire qu'Israël, tu ne participeras pas à la Nouvelle Alliance. Ça, c'est la malédiction sur Israël. Frère, la plus grande malédiction sur Israël, c'est le fait que Dieu les a privés de participer à la Nouvelle Alliance dans l'année de la grâce.
en attendant d'autres prophéties qui vont se réaliser, car toutes les nations vont commencer à combattre Israël. Ce temps-là n'est pas encore arrivé. Mais à ce moment où l'église est encore sur la terre, Dieu a privé Israël de participer à la nouvelle alliance. C'est eux qui ont planté la vigne. C'est les Juifs qui ont fait mourir le Seigneur. C'est ce qui est écrit. Mais le Seigneur les a empêchés de boire le vin. Parce que le mot, le verbe, expliquons le verbe boire. Je vais expliquer ça. Jean chapitre 6. Boire, ça veut dire quoi? Boire, quand on boit là, ça veut dire quoi? 6:35. J'explique le verbe boire, selon la pensée de Dieu. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Ah, donc croire, c'est ça boire. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça que Dieu appelle croire. Boire du vin, ça dit que tu as cru à la nouvelle alliance. Est-ce que vous voyez ça? Donc le Seigneur a privé à Israël de ne pas croire à la nouvelle alliance. Voilà pourquoi les Juifs ne croient pas en Jésus. Ils ne croient pas à tout ce qu'il a fait. Et ils entendent encore un autre Messie qui viendra les sauver. Est-ce que vous comprenez ça? Ces choses étaient déjà planifiées par Dieu. Mais quand nous lisons dans Matthieu 26, nous voyons que le sang là, la nouvelle alliance est là parce que Jésus était en train de prophétiser sur la table. Est-ce que vous voyez ça? Le Seigneur était en train de prophétiser sur la table. Que c'est vous les disciples, c'est vous mes enfants qui boiront mon sang, qui participeront à ma table, qui croiront à la nouvelle alliance. Cet acte-là était prophétique. Mais remarquez Jésus ce qu'il a fait. Il a pris les disciples, il les a séparés du peuple juif. Et il a fait la chose en cachette avec 12 apôtres. Est-ce que vous voyez cela? Avec ses disciples. Tandis que les autres juifs, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas si Jésus est en train de prophétiser à côté. C'est pour dire que Dieu les a laissés. Dieu les a abandonnés. Parce que l'écriture devait s'accomplir. Ce qu'ils devaient boire, c'est les disciples. Mais eux, Dieu les a empêchés. Il dit, vous ne boirez pas. Est-ce que vous voyez ça? Pour nous, c'est une bénédiction parce que nous sommes en train de boire. Est-ce que vous voyez ça? Aujourd'hui, nous sommes en train de boire le vin. On est en train de boire le sang de Jésus. On est en train de participer à la table du Seigneur. Tandis que les Juifs sont dehors. Ils sont dehors. Nous sommes dans la maison. Or, tout doit se passer dans la maison maintenant. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça la prophétie. Maintenant, l'écriture continue. Deutéronome 28, verset 39. Il continue en disant ceci. Tu ne feras pas la tu ne récolteras pas, car les vers la mangeront. C'est-à-dire, les fruits, les raisins, au lieu qu'elles puissent récolter les fruits, c'est plutôt les vers qui ont mangé ça. Est-ce que vous voyez ça? C'est plutôt les vers qui ont mangé. Il faut expliquer les vers là, c'est quoi? Ça veut dire quoi les vers? Parce que dans la Bible, tout est expliqué. On n'a pas raisonné à réfléchir. On cherche dans les... Non, dans la Bible, c'est écrit. Ok? Cherchons le vers. Prenons d'abord psaume. Prenons psaume. Je prends psaume au verset 22, chapitre 22, verset 6. Psaume 22... Verset 6. Psaume 22, verset 6. Il est écrit ceci. Psaume 22, verset 6. Dans d'autres versions, c'est le verset 7. Ok? Il est écrit ceci. Et moi, je suis un ver et non un homme. L'opprobre des hommes est le méprisé du peuple. Ici, c'est David, je crois. Oui, c'est David qui parle. David, il s'est dit lui-même hein, que moi, je suis un ver. Est-ce que vous voyez ça? Moi, je suis un ver. Un ver, c'est un petit reptile qui marche avec le ventre sur la terre, sur le sol. Ça marche comme ça.
Hein? Vous connaissez ça. Il dit, je suis un ver et non pas un homme. C'est-à-dire que dans les Écritures, un homme peut représenter aussi un ver. Est-ce que vous voyez ça? Je prends Job. Job 30, 25, verset 6. Je prends Job 25, verset 6. Allons-y rapidement. On ne raisonne pas, mon frère, ma soeur. On prend l'écriture. Job 25, verset 6. Combien moins l'homme qui n'est qu'un ver, le fils de l'homme qui n'est qu'un vernisseau. Ah bon? Donc un homme aussi, il peut être un ver. Est-ce que vous voyez ça? Je prends l'écriture de Lévitique 11, verset 42. Je m'en vais parce que je vais tout mettre pour que j'explique les mots ver. Lévitique 11, verset 42. Allons-y rapidement. 11, 42. Il est écrit ceci. Vous ne mangerez point parmi tous les reptiles qui rampent sur la terre. De tous ceux qui traînent leur ventre, ils traînent leur ventre. Or, les vers traînent leur ventre. Avec les serpents aussi. Ils traînent leur ventre. C'est le même groupe de petits reptiles. OK? Dieu dit à Israël que vous ne mangerez pas ça. Il y a une explication autre, mais je vais seulement expliquer par rapport à Deutéronome. Vous ne mangerez point parmi tous les reptiles qui rampent sur la terre, de tous ceux qui se traînent sur le ventre, ni de tous ceux qui marchent sur quatre pieds ou sur un grand nombre de pieds, car vous les aurez en abomination. Est-ce que vous voyez ces choses, frère? Donc, un homme peut être qualifié comme un ver, comme un animal qui traîne son ventre. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les hommes sont des vers. Et ces reptiles-là sont en train de traîner leur ventre sur la terre. C'est-à-dire qu'ils sont en contact avec la terre. Est-ce que vous voyez ça? Vous vous rappelez de l'histoire de Pierre. Dieu a dit à Pierre, prends les animaux. Il lui montre une vision, hein? Des animaux, des reptiles, des oiseaux et tout consort. Et Dieu lui dit, tue, Pierre, tue et mange. Pierre dit, je n'ai jamais mangé des animaux impurs. Depuis ma jeunesse. Dieu lui dit, n'appelez pas impur ce que moi j'ai appelé pur. Maintenant, lève-toi, il y a des gens qui viendront t'appeler. Vas-y avec eux. Pierre s'est réveillé. Il commençait à penser dans la... pour connaître la vision. Mais dès que les gens qui ont été envoyés par Corneille, parce que Corneille, il fait partie des nations. Il n'était pas juif physiquement. Il fait partie des nations, peuple païen, gentil. Maintenant, quand les gens là qui ont été envoyés par Corneille sont venus chez Pierre, alors Pierre est allé avec eux parce que selon l'ordre du Saint-Esprit, il a dit, suis-les. Il était parti. En allant là-bas, il a prêché, le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Alors l'Écriture dit que Pierre a compris la vision. J'aime ça. C'est alors que Pierre a compris la vision que Dieu a accordé la grâce, le salut aussi aux païens, aux gentils, à ceux qui n'étaient pas juifs. Or, dans la vision, c'était quoi? Les animaux, les oiseaux, les animaux et les reptiles. Or, nous venons de voir que le ver, ça fait partie des animaux que Dieu avait interdit de manger. Or, Pierre avait refusé, je n'ai jamais mangé d'un animal impur dans ma bouche. Ah, Pierre a compris que non, Dieu a accordé aussi les saluts aux païens. Donc, ces païens-là représentaient seulement tous les animaux abominables. Donc, nous tous, nous les nations, nous sommes des animaux abominables par rapport à Israël. Mais Dieu nous a fait grâce. Nous sommes des vers. C'est nous qui sommes des vers. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi Deutéronome dit, tu as planté la vigne, mais tu ne boiras pas le vin, tu ne feras pas la récolte, parce que le ver va manger ça. Ah, j'aime le Seigneur. Parce que le peuple des nations vont manger le raisin. Acclame le Seigneur.
Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes en train de manger la récolte d'Israël, frère. Nous sommes en train de manger les fruits, les raisins qui sont sortis de la vigne. C'est nous les nations qui sont en train de profiter. Voilà pourquoi Israël n'a pas fait de récolte cette année ici là, dans l'année de la grâce. L'année de récolte, ils n'ont pas fait les récoltes parce que nous avons mangé ça. J'aime ces choses. C'est vrai, j'aime ces choses. Ça me fait monter dans le cœur les choses que l'homme n'a jamais entendu ni voir, frère. Est-ce que vous voyez la prophétie avec moi? Aujourd'hui, les vers, le peuple des nations, les gentils, toi, moi, nous sommes en train de manger que les fruits des récoltes d'Israël. Et ils n'ont pas récolté. Cette année de récolte, ils n'ont pas récolté. Est-ce que vous voyez ça? Parce que nous sommes en train de manger leurs fruits. Quel est le fruit qu'on va manger? Ce sont l'explication des enseignements de Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez ça? C'est ce qu'on appelle les récoltes d'Israël. Le produit d'Israël. C'était pour eux. Mais Dieu a interdit. Vous ne ferez pas de récoltes. Cette année ici, l'année de la grâce, Israël n'a pas fait de récoltes. Pourquoi? Parce que le ver, le peuple des nations, nous tous, nous sommes en train de manger les récoltes. Maintenant, quand elles viendront, ils vont trouver, il n'y a plus de raisins. Acclame le Seigneur. C'est une bénédiction pour nous, c'est une malédiction pour eux. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça la parole, frère. C'est ça la prophétie. Ces choses sont déjà maintenant accomplies. L'écriture est déjà accomplie. Est-ce que vous voyez ça? Nous sommes en train de manger les explications aujourd'hui. Voilà pourquoi dans une église, là où vous êtes, on doit vous expliquer les écritures. Et non pas répéter les écritures. On doit expliquer les fruits maintenant. On mange les fruits. Parce qu'on a planté, il a poussé. C'est fini. Et il a donné le vin. Et nous mangeons maintenant les enseignements, les fruits maintenant. Est-ce que vous voyez ça? L'église ne fait que les vers. L'église, ce sont des vers. Et il ne fait que manger seulement. Nous, on ne fait que manger. Nous, on ne fait que manger. On mange les fruits d'Israël, les récoltes. On les mange aujourd'hui. Ce sont les explications des Écritures. Est-ce que vous voyez ça? Et ils n'ont pas reçu ça. Ils attendaient recevoir l'explication. Mais nous, on est venus, on a commencé à grignoter tous les fruits. Et j'aime le Seigneur. J'aime Dieu. Parce qu'il savait que les vers vont venir manger ça. C'est nous les vers, frère. Je suis un ver. Tu es un ver. Et en plus, on traîne avec le ventre sur le sol. On traîne avec ça. Ah, Dieu est merveilleux. Tous les animaux viennent de Dieu. Tous les reptiles viennent de Dieu. Tous les oiseaux viennent de Dieu. Alléluia. J'aime ces choses, frère. Qui toque au pésa ma casse. Ouh, Bible. Ça est lengi. Ah, Bible. Frère, Bible, Bible, c'est libre ici, frère, Bible, mouais. Donne un bisou à la Bible, mouais, à la parole, ah, ça fait du bien au cœur. Nous sommes des vers, on est en train de manger toute la récolte d'Israël, on est de les manger, et j'aime le Seigneur, hein, parce qu'il savait que les vers, selon la prophétie, les vers doivent manger les récoltes d'Israël. Et ces choses doivent se passer que la nuit, frère. Quand ils viendront le matin, ils vont venir, il n'y a plus de fruits, c'est fini, frère. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas récolter. Ils ne peuvent pas récolter à ce moment ici. À ce moment de la grâce. À ce temps de la grâce. Ils ne peuvent pas récolter. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas donner l'explication de la loi, les psaumes et les prophètes. Il ne peut pas les donner à eux. C'est ça en réalité le bien-aimé Daniel. Le roi a eu le songe. L'explication n'a pas été donnée aux juifs. L'explication doit être donnée aux païens, aux babyloniens. Est-ce que vous voyez ça? C'est là où Dieu doit donner l'explication. L'église, c'est un peuple des nations. C'est un peuple païen gentil. Qui ne connaissait pas Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, Dieu a donné l'explication de la loi, les psaumes et les prophètes. Il les a donné ça aux nations.
C'est à eux qu'il doit recevoir. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit aux disciples, il vous a été donné à vous de comprendre les mystères du royaume. Qui est disciple aujourd'hui? Allez faire de toutes les nations au pluriel. Allez faire de toutes les nations. Pas allez faire de toute la nation juive. Non! Allez faire de toutes les nations des disciples. Donc des disciples là qui doivent comprendre les mystères du royaume, c'est l'église aujourd'hui, frère. C'est à elle que Dieu a donné l'explication du royaume. Des choses cachées. Ce n'est pas de la blague, frère. Ne passez pas dans les églises en répétant la loi, en répétant les ceci, les prophètes. Non! Donnez-les l'explication. Ça veut dire quoi maintenant? Ça veut dire quoi maintenant? Est-ce que vous comprenez ça? Là, on va comprendre que l'église ici a eu la grâce de Dieu. Vous savez qu'il y a beaucoup des églises, hein, mais ils n'ont pas la grâce de Dieu sur eux. Hein. Pourquoi? Parce que ce sont des églises des hommes, créées par les hommes. Est-ce que vous voyez ça? Ce n'est pas l'église que Dieu a accordé la grâce de connaître les choses du mystère. Parce qu'il est écrit, il vous a été donné. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus qui a dit dans Matthieu 13. Il vous a été donné de comprendre. Est-ce que c'est ça? De comprendre le mystère du royaume. Si maintenant vous êtes dans une église, chaque dimanche vous réunissez, et on ne vous explique pas, mais on vous fait seulement des rababababa. Je vois ta mère au village. Ça, ce n'est pas l'explication. Ça, ce n'est pas l'explication. Les rababababa, robobo, c'est pas du robot. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire quoi ça? Il faut que ça cesse. On nous a été donné de comprendre le mystère. Le comprendre, c'est de donner l'explication. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur, il parlait en parabole. Il parlait en parabole à qui? Imaginez-vous, pourquoi le Seigneur, quand il parlait à la foule et aux juifs, pourquoi il les parlait toujours en parabole? Pourquoi? Et lorsqu'il se tournait vers les disciples, qu'est-ce qu'il faisait selon les Écritures? Il les expliquait. Voilà. On ne peut expliquer quelque chose à un disciple. Mais aux juifs, Dieu les a cachés parce que Deutéronome 28, verset 39, doit s'accomplir. Qu'il n'a pas été donné à eux de récolter. Les récoltes, là, c'est l'explication qui vient pour expliquer le mystère de Dieu que Dieu a caché. De la plante. Vous passez dans les églises, mais il n'y a rien. Voilà pourquoi les gens ne changent pas. Parce que c'est l'explication qui amène la lumière. C'est ça l'enseignement. C'est ça l'enseignement. C'est expliquer pour que je dise, waouh, maintenant je comprends. Et lorsque l'homme comprend des choses du royaume, il prépare vite son cœur. Il prend les choses de Dieu au sérieux. Parce qu'il comprend. Mais quand on ne comprend pas, on prend la légère. Maudit quiconque qui prend l'œuvre de Dieu à la légère. Parce qu'il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Allez dans les églises où on vous enseigne les choses. Où vous comprenez. Où l'intelligence est ouverte maintenant. Ne soyez pas comme ces disciples qui marchaient avec Jésus. Ils marchaient avec Jésus. Ils marchaient, mais ils ne comprenaient pas ce que c'était Jésus. Et beaucoup de gens sont comme ça. Ils marchent avec Jésus, avec la parole. Mais ils ne comprennent rien de la parole. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'explication. Et l'homme qui doit donner l'explication, c'est lui-même le Seigneur Jésus. C'est lui qui a pris le pain, il a brisé le pain, il les a donnés. C'est alors que leurs yeux furent ouverts. Et ils reconnaissent que c'était Jésus qui était au milieu d'eux. Vous voyez une église qui est avec Jésus, hein? Ce sont ceux qui ont reçu le pain rompu. Acclame le Seigneur. Pas les églises qui n'ont pas reçu le pain rompu. Non. Ils ont le pain en entier, mais le pain qui n'est pas rompu. Est-ce que vous comprenez ce jeu, frère? C'est ça la parole. Une vraie église, ce sont des vers qui sont en train de manger la récolte d'Israël. Ils sont en train de bénéficier de toutes les explications du mystère de Jésus. Parce que la vigne vient, les raisins viennent de la vigne. Donc nous bénéficions tous les enseignements qui viennent de Jésus-Christ lui-même.
Et c'est nous encore qui vont boire le vin. C'est-à-dire boire le sang qui est la nouvelle alliance. C'est nous les nations qui ont bu ça. Et ils n'ont pas bu. Dieu les a empêchés. Vous ne boirez pas, vous ne croirez jamais à la nouvelle alliance. Voilà pourquoi Israël ne croit pas à la nouvelle alliance. Il croit toujours à Moïse. Et Paul dit que jusqu'à aujourd'hui, quand ils lisent Moïse, c'est-à-dire la loi, leur voix, les voiles ferment leurs yeux, leur cœur est voilé. Et dit, ces voiles ne peuvent sortir que lorsqu'on s'est converti à Christ. Comme Dieu ne les a pas permis, le voile va demeurer toujours. Parce que ça, c'est pour un temps qu'il demeure d'abord comme ça. Dieu a tourné son regard vers les nations. C'est vers nous, mon frère, ma soeur. Lorsque Dieu tourne son regard, il donne le dos aux Juifs. Souvenez-toi que l'autre jour, les années passées, Dieu avait tourné le dos aux nations. Les yeux de Dieu, la face de Dieu était vers les Juifs. Maintenant, dans la grâce, il fait le contraire. Il change de position. J'aime ça. Il change de position. Maintenant, il met son regard vers les nations, mais il donne le dos aux Juifs. Et toi, tu es là en train de prendre ça à la légère. Mais il y aura un temps où Dieu va tourner encore. Mon frère, ma soeur, je te parle là. Il y a un temps où le Seigneur va tourner encore sa face vers l'Israël. Il va donner encore les dons aux nations. Et toi, au lieu de te convertir, prendre ça au sérieux, la conversion là au sérieux, la foi ferme dans la parole, dans la sainte doctrine, toi tu blagues avec ça. Tu prends ça à la légère, tu blagues vraiment, tu penses que la vie en Christ, c'est, tu viens faire ce que toi tu veux. Tu décides ce que toi tu veux. C'est ça que tu penses, hein? On doit prendre ça, cette grâce que nous avons aujourd'hui là, l'année de la grâce là, on doit prendre ça au sérieux et s'attacher, frère. J'ai pitié de beaucoup de sœurs, j'ai pitié de beaucoup de frères. Vous devez vraiment être des hommes et des femmes très courageux. Ne vous détournez jamais de la parole de Dieu à cause de ton mari, à cause de ta femme, à cause de tes enfants. Garde toujours la parole. Je te dis la vérité, je ne te mens pas. Je te dis la vérité. Que aucune situation ne vienne enlever l'amour de Dieu en toi. C'est ça le danger. C'est ça la ruse du diable. Je donne un conseil. Jamais ne fais pas ça. Que aucune situation dans ta vie ne vient changer la conception que tu as avec Dieu. Ou bien enlever ta foi dans ton cœur. Et puis dire, j'abandonne, ça ne va pas. Non. Garde la même foi en Dieu. Peu importe la femme, peu importe le mari, peu importe les enfants, je garderai toujours. Vous savez, aller au ciel, ce n'est pas une affaire du mari, de la femme ou des enfants. Aller au ciel, c'est une affaire de mon salut. Voilà pourquoi Paul était capable à conseiller et à dire, femme, qui es-tu toi? Qu'est-ce que tu sais si ton mari sera sauvé? Ou mari, qu'est-ce que toi tu sais si ta femme sera sauvée? Ça veut dire que l'affaire du salut là, ce n'est pas une affaire de mari, femme, enfant. Non. C'est une affaire, moi j'ai cru. Si mon mari n'a pas cru, c'est son problème. Moi, j'ai cru. Si ma femme n'a pas cru, c'est pas mon problème. Dans le sens comment? Dans le sens que le jour de l'enlèvement, Dieu ne regardera pas la femme et l'homme. Non. Il va prendre celui qui a cru, qui s'est attaché à la parole. Bien sûr qu'on peut se soucier. Oh, ma femme. Tu le prêches par la parole, tu le prêches par les actes, par les œuvres, l'homme ou la femme. Est-ce que vous voyez ça? Tu le prêches par tes actes, tu le prêches par la parole, un peu, jusqu'à ce qu'elle va comprendre et venir au salut. Ok. Mais le jour de l'enlèvement, Dieu ne regardera pas ça. Je dis la vérité. Hein? Dieu ne dira pas, Barouadi, ta femme, ok, ta femme ne croit pas, bon. Je vais quand même l'amener avec toi parce que comme toi, tu étais pasteur, bon, on y va. Non! Ça ne sera pas comme ça. Elle n'a pas cru. Elle a endurci le cœur.
Toi, tu as avancé toujours. Tu avances dans la foi. Tu avances dans la sainteté. Tu avances dans la prière. Tu avances, tu avances, tu avances. Le jour de l'enlèvement, elle reste. Toi, tu t'en vas. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi j'ai dit aux gens pour les... que Dieu viendra prendre un dixième de la population sur la terre. Les gens ont paniqué. Ah, frère, un dixième, un dixième. Ils ont commencé à faire les calculs arithmétiques. 1 sur 10 fois 1 milliard de la population de la terre. Raisonnement des hommes. J'ai toujours dit aux gens, lorsque moi je prêche, il faut me suivre. Suis-moi dans la marche où je vais. Tu vas comprendre. Ce sera plus facile. Quand j'ai dit que Dieu viendra prendre un dixième de la population sur la terre, ce n'est pas un dixième, mais arithmétique. Calcul arithmétique. Ce n'est pas de ça que moi je parle. Ça, c'est toi qui parles de ça. Mais moi, dans mon esprit, ce n'est pas ça. Moi, je dis seulement, Dieu viendra prendre un dixième des gens sur la terre. C'est tout ce que j'ai dit. Les calculs, maintenant, c'est toi qui les fais. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, les calculs. Les calculs, moi, c'est toi qui fais les calculs. Parce que toi, tu comprends un dixième comme étant 1 sur 10 fois. Hein, calcul, fois 1 milliard de personnes sur la terre. C'est pour ça que toi, tu calcules. Or, un dixième, c'est justement la dîme. C'est le même mot. C'est des synonymes. C'est la part, une partie que Dieu viendra prendre sur la terre. Donc, une partie de la population vont disparaître. C'est ça l'enlèvement. C'est les hommes qui vont partir. Ils vont disparaître. C'est une partie qui appartient à Dieu. Que Dieu va amener. Les gens qui ont gardé l'huile. Les cinq vierges qui sont rentrées. Dieu les a pris. Parce que enlever veut dire prendre. C'est ça la dîme que Dieu viendra prendre. On donnera la lumière un peu plus beaucoup. Parce que c'est là où on va parler de la dîme du blé. Parce que nous aussi, dans Matthieu 13, nous sommes considérés comme les blés. Et Jésus a interprété en disant, les blés, la bonne sémence, c'est le fils du royaume. Vous voyez ça? Donc, là-bas, les blés, ce n'est pas Jésus. Là-bas, les blés, c'est le fils au pluriel du royaume. Or, il y avait une dîme de blés qui appartenait à Dieu, qui était consacrée. C'est-à-dire que les blés là, qui étaient consacrés, ce sont les gens, les enfants, les fils du royaume. Qui sont là sur la terre. Parce que Jésus a interprété les champs, c'est le monde. Donc, étant comme dans le champ, qui est le monde, on a été planté. Maintenant, on doit faire la récolte. Maintenant, cette récolte-là, c'est ça qu'on appelle, Dieu viendra prendre sa partie. Sa part, son droit. Parce que la dîme, c'est le droit. C'est le droit de Dieu. Il viendra prendre ça. C'est ça la dîme qui partira. Acclame le Seigneur. On viendra avec les versets pour maintenant vous montrer ça terre à terre. Et vous allez comprendre. C'est facile. Quand j'ai dit un dixième, c'est parler en langue. J'ai parlé en langue. C'est parabole. Maintenant, il faut l'explication. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand Dieu dit un chiffre dans la Bible, ce n'est pas un chiffre littéral. Quand Dieu dit 300, ce n'est pas 300 littéral. Quand Dieu dit 50, ce n'est pas 50 rut. Quand Dieu dit un tiers, ce n'est pas un tiers littéral. L'explication est déjà là. Quand Dieu dit un quart de vin, les un quart de vin, les un quart. Dieu a déjà expliqué les un quart dans la Bible. J'ai l'explication de ces choses-là. Ce n'est pas un quart. Tu commences à faire calcul. Un sur quatre fois un milliard de personnes. Non. Là, tu inventes sur la tête. Moi, je n'aime pas ça. Vas-y avec les écritures. Tout est déjà dedans. Je répéterai toujours au ministre. Tout est déjà dedans, s'il vous plaît. N'inventez rien. C'est ça. Nous attendons l'enlèvement maintenant. Et toi, tu es là, tu blagues, tu blagues, tu blagues. Répentons-nous, changeons de conception de vie, revenons au Seigneur dans les droits chemins, dans le chemin que nous devons marcher. C'est tout ce que l'on tout ce qui se passe sur la terre, tu ne vois pas. Les menaces par le gouvernement, on nous menace. Mais vous ne comprenez rien. Tous ces menaces par le gouvernement, c'est pour nous montrer que le temps est en train de changer. C'est-à-dire que l'allure spirituelle est en train de se préparer pour se manifester. D'ailleurs, ce n'est même pas loin. Sarkozy a fait une vidéo, une interview. Lui-même, il a dit ça dans l'interview, que la bête est déjà là. Sarkozy est empaillé à 1100%. Hein? Sarkozy est empaillé à 1100%.
dit ça. Tous les chrétiens ont partagé. Ils ont compris le message. Mais toujours distrait. Confinement. Distraction dans le confinement. Confinement même, les gens n'ont pas même pas prié dans le confinement. Rien de changement dans le confinement. Or, le confinement, c'est une opportunité de prier. Parce que beaucoup d'entre nous étaient à la maison. On faisait quoi? Téléphone en Afrique. Allez, comment vous allez là-bas? J'ai dit. On parle pendant 5 heures de temps. La journée est finie, tu dors. Les gens n'ont pas prié. Alors je me pose la question, est-ce que moi les gens vont prier même quand on va ouvrir les églises, tout ça? Au Congo, c'est le 15 août. C'est là maintenant les gens vont aller prier. Donc on ne prend pas Dieu au sérieux, quoi. On prend Dieu comme un ami, hein. C'est ça, non? Non, repentons-nous véritablement. Préparons-nous, fille, mon frère. Préparons-nous. La petite amie là, laisse ça. Tu ne partiras pas. D'ailleurs, si Dieu te trouve dans l'impuricité, tu vas rester. Tu vas rester. Si Dieu te trouve dans la débauche, tu restes. Si Dieu te trouve dans les mensonges, tu restes. Si on te trouve dans la fraude, tu restes. Les chrétiens qui fraudent au métro, en France là-bas, même ici à Montréal, des chrétiens qui fraudent, ils sautent les murs sans payer. Ils pensent qu'il est Jagger, il est Jackie Chan, il est Rambo. C'est ce que tu penses. Mais devant Dieu, tu es un escroc. Tu as fraudé. Tu dois être droit, frère. Si tu n'as pas, marche à pied. Là où tu vas, tu n'as pas d'argent, marche à pied. Il faut que Dieu voie en toi la justice. Quelqu'un qui est juste comme Noé. Si les païens volent, si les païens trichent, si les païens fraudent, mais moi je ne peux pas frauder. Non, frère. Non, ma soeur. Pas parce que les années passent. Je vais me marier. Parce que les années passent. Maintenant, j'ai 26 ans. Après, l'année vient encore. 28 ans. Ça augmente encore. 30 ans. La sœur commence à paniquer. 30 ans. Paniquer. 30 ans. Paniquer. Elle panique. Pendant qu'elle panique, elle commence à perdre dans son cœur, dans son esprit, de comprendre que je suis dans le Seigneur et je dois chercher le Seigneur qui donne le mari. Maintenant, il y a beaucoup de sœurs maintenant qui sont comme ça. Quand elles voient que les années commencent à passer, qu'il n'y a pas un frère qui les regarde, alors elles se permettent de tomber dans la chair. Est-ce que vous voyez ça? Avec l'évangile aujourd'hui, que l'ennemi nous a amené, un évangile de goûter les gens. On goûte une sœur, après on dit, ah non, elle n'est pas bonne au lit, on jette. Vous voyez cet évangile-là? C'est un évangile de prendre les gens en otage. Parce que Satan, il sait clairement que Dieu ne autorisera jamais un impudique. Voilà pourquoi Paul a dit que les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Les débauchés n'hériteront pas le royaume des cieux. Ni les inféminés n'hériteront pas le royaume des cieux. Est-ce que vous voyez ça? Ni les ivrognes. Vous voyez les gens vont faire mal. Les gens disent non, vous savez, Dieu ici, non, il n'a pas dit qu'on peut pas boire. On peut boire. Vous voyez ça? Maintenant, quand il va commencer à boire, après il tombe dans l'ivrognerie. Est-ce que vous comprenez ça, frère? S'il est écrit que les ivrognes n'hériteront jamais le royaume des cieux, il faut oublier ça, frère. Non, vous savez, Dieu a dit ivrogne. Vous voyez ça? Quelqu'un qui c'est ivre, on dit ivre. Il commence à mythifier des mots. Ivre, vous voyez? C'est ivre. Non, prendre un peu, c'est pas mauvais. C'est ivre. Mais là, quand maintenant il va prendre maintenant le vin ou la bière, maintenant il devient ivre maintenant. Alors, c'est vous qui c'est. Qu'est-ce que tu voulais? Être ivre ou prendre un peu? Est-ce que vous voyez ça maintenant? Satan est très malin. Il connaît la faiblesse de la chair. Il connaît, il sait bien la chair là. Il ne peut pas résister. Frère, arrête de faire ces mathématiques là. Arrête. Arrête ça. Ok? Moi, je ne bois pas. Je suis mort. Mais je vis. Je bois les jus. Je bois le coca. Est-ce que je suis mort? Parce que je ne peux pas brûler maintenant la bière. Lequel forte là? Je suis mort. Voilà comment Satan travaille dans la pensée des gens.
C'est comme ça que Satan travaille. Il va voir les versets, il cherche les versets, là où il va s'appuyer. Il voit un verset qui semble, il prend là-bas. Vous voyez, frère, on a dit ivre. Ah, ok, ivre, vas-y. Dès qu'il prend, il ne finit plus. Premier vers, deuxième vers. Mais toi, tu as dit que c'est ivre, non? Maintenant, là, maintenant, tu es ivre maintenant. L'écriture encore lui condamne. Mais il va chercher encore des justifications. Frère, tu sais, la chair est faible. Regarde, intelligence morte. Moi, je n'épargne personne, frère. On n'épargne personne pour ça, frère. Parce que mon souci, c'est que vous vivez dans la parole. La crainte doit augmenter en nous. L'écriture dit que celui qui se sanctifie, se sanctifie encore, frère. S'il faut se priver de l'ivresse, s'il faut se priver de l'alcool, je me priverai encore à cause du royaume, frère. Si je sais que je suis faible et que juste deux verres, trois verres, je vais tomber à terre, mais vaut mieux de moi de laisser ça pour que j'hérite le royaume. Je ferai un sacrifice pour moi-même. C'est très important. Très important. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Chacun va chercher la Bible. Les choses qui semblent pour lui ou pour elle, qui vont très très bien avec son avec sa manière de comprendre, il s'appuie là-bas. Ça, ce n'est pas la manière de Dieu. Ça, ce n'est pas Dieu qui a parlé. Ça, c'est toi qui te fais des choses comme ça. C'est toi qui cherches comme ça. Or, aujourd'hui, nous sommes des sacrificataires, Dieu, du royaume. Dieu nous a fait des sacrificataires, nous tous. Or, il était écrit qu'un sacrificataire dans le service, il ne devrait pas boire quelque chose de liqueur forte. Parce qu'il doit savoir comment distinguer le bien et le mal. Mais quand tu es dans l'ivresse, tu ne peux pas savoir qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais. Ça va t'emporter. Est-ce que vous voyez ça? C'est très important. Il y a des vins qui sont sans alcool. Moi, je le vois ici chez nous, au Canada. Il y a des vins sans alcool. Quand tu le bois, c'est comme du jus. Comme du jus, comme orange. Mais c'est le vin. C'est écrit le vin. Mais on écrit vin sans alcool, 0%. Va acheter ça, va boire. Si tu veux boire le vin, il y a des vins sans alcool. Va prendre ça. Mais toi, tu cherches moi, le vin là que tu prenais dans le monde là de 40%. 40%. 15%. Parce que tu sais que dedans, il y a un peu de poison qu'on appelle l'alcool pour te droguer. Et comme tu te rappelles de ça dans ta chair, c'est-à-dire, oui, prends, c'est juste un verre. Tu prends un premier verre, tu résistes un peu. Dis-moi encore un verre, deuxième verre. Troisième verre, le second verre. Quatrième, cinquième, c'est fini. Tu es parti. C'est ivre maintenant. Maintenant, tu es maintenant ivre maintenant. On fait maintenant comment? Donc, tu es dans les péchés alors. Tu voyais? Moi, je traiterai comme Paul mon corps durement juste à cause du royaume. Même s'il faut refuser la bière, je vais refuser la bière. D'ailleurs, bon, d'ailleurs, moi, même dans le monde, je ne buvais pas. Vous savez que moi, il y a beaucoup de péchés dans le monde que moi, je n'aime pas. Hein. Moi, les péchés que je faisais beaucoup, c'était la danse. Ndombolo. Hey. J'ai cassé la hanche. J'ai dansé vraiment avec toute ma force. Pour être vu des hommes. Et les femmes m'acclamaient. En plus, moi, je suis mince, vous voyez. Je suis très mince. Hein? À l'époque, j'étais encore plus mince. Vous voyez ça? Et là, j'ai coupé l'ange. Comme Fali Poupala. Vous voyez Fali Poupala? J'ai dansé ça. Les Francata à l'époque, j'ai dansé ça, mon frère. Je suis congolais. J'ai fait Francata à l'époque. Quand les Fali ont commencé chez Kofi Romidé, hein? Quartier Latin, là. Quand la musique et Fragata a pris l'ampleur ces jours-là, ces temps-là, moi là j'étais encore trop jeune dans le monde. J'ai dansé ça, cassé la hanche. Ça c'était moi, mon péché préféré, c'était la danse. L'impuricité dans la danse. Avec les femmes, tout qu'on sort là. Les zouks, vous voyez ça? Des choses comme ça. Moi j'étais dedans. Mais le Seigneur m'a fait sortir. Voilà pourquoi moi je n'aime pas danser. Quand je loue Dieu, moi je saute. Je fais que sauter. Je suis content. C'est tout ce que je peux faire. Pas la fête de casser la hanche encore.
Dieu m'a fait comprendre ça là. Non, pas chez moi. Casser la hache. Laisser. Vous voyez dans l'église, les gens cassent la... C'est grave. Et puis la sœur. La sœur, elle sait que son corps là est bombé. Elle sait qu'elle est bombée. Mais comme elle a un esprit de séduction, elle veut séduire les hommes qui sont dans l'église. Maintenant, c'est à l'église qui veut casser la hache. Vous voyez comment les malédictions sont beaucoup dans les églises? Parce qu'il n'y a pas les réprimandes. On ne réprimande pas les gens dans l'église. Dans tous les détails, dans tous les domaines. Non, non. Parce qu'il n'y a pas la parole expliquée. Comment un enfant de Dieu doit danser? C'est écrit dans la Bible. On doit danser comme David. Alléluia. Seigneur, fais-moi danser comme David. Hein? Pour que tu danses comme David, il faut qu'on t'explique. Donc, il faut l'explication de la danse. Est-ce que vous comprenez ça? Non, les aigles comprennent déjà. Les gens d'en haut comprennent la danse du ciel. Ils comprennent la danse du ciel. Ils comprennent. Nous, on ne danse pas la danse du monde. On danse la danse du ciel. Alors, je vous laisse les devoirs à la maison. Devoirs à domicile. C'est quoi la danse du ciel? Que Dieu vous bénisse et qu'il ajoute encore ses exhortations, l'enseignement encore appuyé sur la sainteté dans la vie des chrétiens, des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, de continuer à marcher toujours dans la sainteté. On va toujours crier sur ce jour-là pour que l'église soit prête pour être enlevée. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bye bye. Je suis votre frère Barouani Anzrouni. Bye bye.